Des cons. Tous des cons. Je suis cerné par la connerie. Des cons. Le trou. Ils se rendent pas compte. Et Borel, qu'est-ce qu'il fout, celui-là, avec cette machine? Machine à con. Un véritable capital. C'est l'intelligence éclairée de la direction générale. Le dévouement du personnel. Et bien sûr, l'intuition de nos chefs. Eh bien, messieurs, mais en attendant, il est 5 heures du matin. Savez-vous quelle est la qualité essentielle d'un responsable? L'insomnie. L'insomnie. Hélas, vous avez dormi. Non seulement votre futur est triste, pire, il n'est pas commercial. Il est économiquement nul. Mais mon cher président, vous savez bien que nous sommes en pleine pénurie. Notre secteur presse est en crise. Aujourd'hui, le neuf est déjà du vieux. Ah, c'est l'impasse. Notre secteur automobile a chuté de 33%. Dieu merci, grâce à l'inflation, notre secteur immobilier n'a jamais aussi bien marché. Mais écoutez, mes amis, les Américains eux-mêmes... Nous n'avons de leçons à recevoir de personne, pas même des Américains. Nous avons les moyens d'une politique. Et nous n'avons pas de politique. Non, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Notre dernier tranquillisant s'est déjà vendu par tonne. Eh oui, bravo. 200 enfants mal formés, bravo. La consommation. Fini. Les matières premières, fini. Le bonheur par le gaspillage, fini. Fini. De Dieu, Borel, on vous attend encore. Quoi, l'insomnie? Vous travaillez, moi aussi je travaille. Une idée? Ben, j'espère bien, vous me coûtez assez cher. Non, pas une idée. L'idée. L'imaginaire? Pourquoi faire? Oh,
1, fichier 4 sur la 3. Une question. Vaut mieux attaquer en temps de paix ou en temps de guerre? Vous êtes toujours en guerre. Le futur ne sera pas drôle. Après nous, la merde. Les rapports sont formels. Dans 10 ans, il y aura toujours la Méditerranée, mais il n'y aura plus de homards. Eh oui, tout évolue, tout change. À vous de trouver une solution de rechange. L'opinion publique vous suivra. Évidemment, c'est court. Au revoir, monsieur le ministre. Alors, monsieur le SVP de l'avenir. Intéressant. Mais nous n'allons pas nous transformer comme ça, en un clin d'œil, en gentils organisateurs de vacances. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez d'accord. Écoutez, Borel, vous les prenez pour des imbéciles? C'est beaucoup dit. Enfin, en échange de quoi? Hein? Contre quoi? Contre rien. Contre une promesse de bonheur. Il faut leur dire qu'on peut les rendre heureux. Tout est déjà programmé, tout est prêt pour ça. Pour vous, monsieur, vivre mieux, c'est quoi? Pour vivre mieux? Oui, c'est faut pas travailler. Monsieur, le bonheur pour vous, c'est quoi? C'est d'avoir du travail, d'avoir de l'argent. Pour gagner de l'argent, on peut donner à manger les enfants. On paye déjà moins d'impôts. De vivre une autre vie que la mienne. Ce serait surtout de donner, premièrement, la paix, et second lieu, la justice sociale. Tout le monde aimerait gagner beaucoup mieux, beaucoup plus. Vivre mieux, beaucoup mieux. Vivre mieux. Mieux, pourquoi? Quand on vit bien, on n'a pas besoin de vivre mieux. Vivre mieux, bah. Vivre mieux, c'est avoir du temps pour les loisirs et pour son propre plaisir, sans être. Puis les bagnoles, je suis contre les bagnoles, je suis contre les transports individuels. Malgré que je travaille dans une usine de bagnoles, je crois que c'est une connerie d'avoir des bagnoles. Moi, j'aime bien, ouais. Ben, je suppose que c'est mieux de faire ça que travailler chez Renault. Vivre mieux, c'est quoi? C'est vivre heureux, de voir les gens sourire. Un petit repas, une petite boisson, une petite chanson. Comme là, je viens de toucher le tiercé dans le désordre, mais je suis content. C'est-à-dire qu'on accorde à l'argent un pouvoir qui est beaucoup supérieur à celui qu'on devrait lui donner. Monsieur l'agent, le bonheur, c'est quoi? Bah, c'est la santé, et puis en même temps, aller en congé bientôt. C'est vivre à la campagne, à l'air pur et libre, surtout beaucoup plus libre qu'on est actuellement. Être à la campagne et planter mes choux. Mais le rêve de chacun, moi, ce sont les femmes qui comptent. Et c'est tout. Si je serais ministre, je parlerais à la télé. On aspire toujours à avoir une certaine notoriété, quelque part, ou... Le bonheur, c'est être connu? Pas forcément, non, mais enfin, ça y contribue. Je crois que c'est surtout d'être bien avec soi-même et d'avoir réglé ses problèmes. Voir le plus de gens possible, le plus d'échanges possible, avec le plus de monde possible. On n'a pas de contact, on ne peut plus avoir de contact maintenant, c'est... On a l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose et qu'on peut plus y retourner. Pour moi, la société est très, très angoissante, surtout dans l'avenir. Notre société, enfin, pour moi, est une société décadente et il faut qu'elle aille au bout de sa décadence pour que naisse autre chose. 45% des gens qui vivront à l'an 2000 sont déjà là. C'est dès maintenant qu'il faut leur inventer de nouveaux loisirs, avant que l'ennui ne les gagne. Le vert, c'est... Le chômage, le plein rendement aboutissent au même résultat, augmenter le temps libre, le temps perdu. C'est à vous de la récupérer. Comment? Aujourd'hui, personne n'est satisfait. Le paysan, le cadre, l'ouvrier, le capitaliste lui-même rêve d'être un autre. C'est le moment de rentabiliser leur imaginaire.
chacun soit lui-même et son double. Son double. Vous vous rendez compte? ?70% de la vie des individus est faite de leur imaginaire. Qui c'est celui-là? Vous ne l'avez pas reconnu, c'était Ernest, un de vos gardiens. Il nous sert de cobaye. Manque pas d'allure. Donnez-leur un uniforme, une arme, un semblant de pouvoir, et vous provoquez leurs fantasmes, leurs désirs les plus secrets. Madame, imaginez qu'une société vous permette d'être quelqu'un d'autre, qui aimeriez-vous être? Un homme ou une femme? À votre choix, madame. Oh, c'est compliqué, ça. Hein? Il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Essayez de choisir. Madame Curie. Pourquoi Madame Curie? Y a-t-il une raison particulière? Oui, parce qu'elle représente. Un gros directeur qui roule sur l'or. Voyons, une reine. Rimbaud. Giscard d'Estaing. Êtes-vous contente de la société actuelle? Pas tellement, non. Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'être trop matérialiste. Manquer de rêve. Pourquoi manquer de rêve? Bah, parce qu'on n'a pas le temps. Parce que tout le monde court. On a guère le temps de penser, guère le temps de réfléchir. On travaille, on rentre, on est fatigué. Et s'il vous restait un an à vivre, que feriez-vous? Bah, je tâcherais de donner du bonheur le plus possible. Les gens qui vous voient en de vous et avec qui vous êtes autre chose intérieurement ou physiquement, c'est vous-même. Vous avez un dédoublement de la personnalité, mais peut-être quelque chose comme ça. Posséder le rêve des gens, c'est les posséder tout entiers. Et il n'y a pas de limite. Quand ils en auront assez d'être un personnage, ils s'en offriront un autre. Vous ne pouvez pas vendre 10 machines à laver à une seule personne. Par contre, vous pouvez lui vendre 10 identités. L'imaginaire est inépuisable, sermeuse. D2. Raté. B10. Cuirasse écoulée. G4. Raté. F4. Sous-marin coulé. C2. C2.
salope. Tu es le PDG de mon cœur. Salope. Ah ! Raconte-moi. Les autres. Tous les autres. Tous les autres. Tous les autres. Victor, Pierre, Décadé. Michel. Les jeunes et dernières nouvelles. Les futurologues vous parlent. En première page. Président Maquette. Merci, madame. Pourquoi ? Bonheur de l'homme, bonheur de l'homme. Demandez les dernières nouvelles. Laissons ça aux philosophes, un chef d'entreprise a d'autres chats à fouetter. Mais si c'est rentable. Pour qui? Pour lui ou pour notre groupe? Presse, prévision des futurologues. En l'an 2000, on s'emmerde encore plus qu'aujourd'hui. Vache-t-il. Demandez la presse en première page. Écoutez, c'est moi le patron, mon vieux, non? Alors, je vous ordonne de vendre tout, c'est quoi? Pas discuter de ça pendant deux heures. Et du côté de l'écologie, là, des antipolluants, de... Ce côté-là. Ben oui, mais il faut investir, il faut trouver de nouveaux marchés, c'est le problème, c'est ça. Quoi, Pinet, mais non, Pinet, c'est foutu, ça, Pinet. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La double identité? Pour qui? Pourquoi? Est-ce que c'est la possibilité pour n'importe qui de devenir n'importe quoi? Mais alors, c'est l'anarchie. Écoutez, on vous a toujours soutenu, mais là, vous allez trop loin. L'imaginaire. L'imaginaire, est-ce que j'ai de l'imaginaire, moi? Mais oui. Quand vous allez au bordel vous faire fouetter, c'est votre imaginaire. Mais l'imaginaire quand? Le matin, le soir, l'après-midi? À la maison, à l'église? Au bureau? Monsieur Picard nous a sans doute mal compris. Demain sera pire qu'aujourd'hui. On travaillera moins, on gagnera plus. Le samedi et le dimanche, on ferait. Après, ce sera le vendredi. Et puis le jeudi. Nous entrons dans l'ère du temps perdu. Temps perdu, pas pour tout le monde. Pas pour vous, monsieur Picard. Il faut rentabiliser le temps perdu, il faut le concentraliser. Vendez l'imaginaire, vendez la double identité. Nous serons les seuls à savoir ce qu'est ce pays. Tout sur ordinateur. Et pas seulement les vacances, tout le reste. Les objets dont ils rêvent, les voitures qu'ils voudront acheter, les films qu'ils voudront voir. Car ce n'est jamais le vrai personnage qui achète qui va au cinéma, c'est l'autre. C'est l'imaginaire. Le vrai personnage, le personnage déguisé, lui, se contente de travailler, de faire des enfants à sa femme. Nous allons défouler tout un peuple. Mais comment est-ce qu'on peut investir sur l'imaginaire? Chacun pourra libérer son imagination, ses fantasmes, moyennant finances. Pendant quelques heures par jour, chacun pourra vivre sa vraie vie qui lui donnera une fausse raison pour travailler. Voilà, c'est ça, ils pourront tout faire, et puis une fois calmés, ils retourneront tranquillement au boulot. Mais ils consommeront deux fois, une fois dans la vie réelle, une fois dans la vie imaginaire. De toute façon, l'essentiel, c'est que ça fasse du bruit. Vous savez qui d'autre que j'ai envie ce truc-là? Là, je peux pas te le dire, alors. Hein? C'est de nouveau, ça, encore. Vous, c'est qui d'autre? C'est un drôle de problème. Ça s'adresse à qui? Vous, c'est qui d'autre? C'est qui d'autre dans la foule? Vous, c'est qui d'autre? Au point d'interrogation, ça te fait poser des questions? Tu te demandes vraiment, tu cherches à savoir ce qu'ils veulent dire par là. Oui, oui. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le mot chercher, je ne vois pas ce que ça peut être. Ça, je comprends, vous, moi. C'est qui d'autre? Là, c'est drôle, ça, hein? Vous, c'est qui d'autre? Pour moi, c'est la publicité, c'est pas autre chose. C'est la publicité. Mais ça, c'est sûr que c'est une publicité. Pour faire réfléchir les gens? Non, ça m'étonnerait. Moi, tout ça, je crois qu'il s'agit de la personnalité cachée, le subconscient. Subconscient? Tu vas chercher loin. Je crois pas que la publicité, ça va aussi loin que ça. Ah, je vois pas ce que c'est. Ça se sait, ces choses-là. Ça se sait, oui, oui, mais un petit peu plus tard, peut-être. Je sais pas. C'est peut-être derrière. Ça peut peut-être cacher derrière. On le saura peut-être. Oui, on le saura bien. Hey, dites, vous qui êtes de la maison, c'est quoi, vous, c'est qui d'autre? Écoutez, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, je fais mon boulot, hein. Point final, hein. Vraiment. C'est quoi, ça? Oh, vous le saurez bientôt. C'est à vous, ça? Vous êtes à contresens, circulez! Je travaille! Et puis vous d'abord, c'est qui? Vous c'est qui d'autre? Moi, que j'aimerais d'autre? Pilote de moto, par exemple.
Rien d'autre spécial, mon métier me plaît bien. Pourquoi? Parce que je fais de la moto, j'aime bien ça. J'ai toujours fait de la moto. Oui. Ça me plairait de courir, mais ça coûte cher. Le bonheur, c'est quoi? Ça, la moto, c'est que ça devrait être. Pour moi, personnellement. Et vivre mieux, c'est quoi? Mieux, non? Avoir une moto plus grosse? Eh bien, moi, ce que j'aimerais, c'est être président de la République, chambouler tout, dire 6 mois de vacances par an, la retraite à 35 ans. Oui, non. Moi, ce que je voudrais être... Quoi? Non, je voudrais être chien. Chien? Oh, chien. Oh, dis donc. Tu sais pas pourquoi? Non. Pour pouvoir pisser tout le long des arbres sans contravention. Oh, dis donc. Bien, en toute objectivité, je voudrais être employé des eaux et forêts, forestier. Pourquoi ça? Parce que j'aime la nature, j'aime la forêt au plus profond de la forêt et de métier, je suis coiffeur. Quelqu'un d'autre? Un ermite. Un grand musicien de jazz. Un musicien de jazz? Ouais. Ou bien un officier de marine. Oh, j'aimerais être un artiste. J'aimerais être un comédien. Parce que c'est la possibilité d'être quelqu'un d'autre à chaque fois. Que voulez-vous que je devienne quelqu'un d'autre à mon âge? Un autre. De toute façon, c'est pas possible. Hein. Vous êtes qui d'autre? Mais une créature de Dieu, mademoiselle, sachez-le. Attention, madame. Attention, alors. Vous qui voulez changer de vie, vous qui voulez changer la vie, écrivez à vous êtes qui d'autre, Paris Cédex 02. Vous qui voulez changer la vie, vous qui voulez changer de vie, écrivez à vous êtes qui d'autre. Qui aimerais-je être? Oh, disons... Un chercheur, enfin m'occuper de gens dans des pays sous-développés, enfin j'y ai pensé à un certain moment. Ce que j'ai au fond de moi, ça me semble la chose à rechercher. Je crois même que c'est pour ça que je suis sur Terre. Oui. Voilà. Et vous êtes heureux, tel que vous êtes? Oui, heureux à me rechercher. Voilà. Qui j'aimerais être? Bah écoutez, j'ai déjà beaucoup d'embêtements à être ce que je suis. S'il fallait que je sois encore un autre, alors vous rendez compte du travail. Non, j'aime autant rester comme je suis. Vraiment? Ah ben oui, c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est pas mal, je suis content. Non, je me trouve très bien comme ça. Bon, bah, enfin non, je me plais très bien dans ma peau. Moi, je suis moi-même, je sais pas. Oui? J'aimerais pas être quelqu'un d'autre. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais être? Alors là, c'est difficile. Bah, oui. Je voudrais être moi, mais en mieux. Tu vas regarder ça, mais la tête reposée. C'est pour une enquête sur le futur, monsieur. Voulez-vous répondre à un questionnaire? C'est une enquête sur le futur et sur votre professionnalité. Surtout vous remplissez bien ce qui est marqué dessus. Votre personnalité. C'est vrai? Ah oui, c'est bien. Oh là là, avec ça, mon vieux, c'est pas mal. Ça y est! Entre les dents, alors. Voilà, 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 voilà. Venez, monsieur. Voilà. Vous le remplissez, vous le postez. Hein. Ah bon? Regardez, c'est derrière, là, voilà. Alors vous mettez votre nom, ce que vous voudriez être, et la position que vous préférez. Il faudrait que je réfléchisse un peu, parce que moi, les histoires comme ça, mais vous, j'ai pas envie de me retrouver en prison pour des trucs... Mais vous allez pas être en prison. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, je le sais. Ah bon? Vous voulez répondre à un questionnaire, monsieur? Venez. 60 ans, il n'y a pas de raison de se cacher, hein. Ah, je veux savoir, je crois. Profession. Et l'âge souhaité. Profession néant. Néant. C'est sérieux, ça. Alors, la situation de ta vie. Marie. Mais il n'y a pas de honte à ça. Vos opinions politiques. Pas d'opinion. Alors, moi, je suis gauchiste. Non, je suis apolitique. Je ne fais absolument pas de politique. Marquez d'une croix votre position sexuelle préférée. Et c'est qu'il y a quelques temps, c'est que, possible. Il y a quelques temps que je ne l'emploie pas. Soyez différentes. Alors il faut réfléchir. Vous pouvez choisir différentes positions. Vous n'avez pas une préférence entre ces différentes positions? Attendez. Attends, il faut que je mette celle-là à mon âge, étant donné mon âge. Ah mais non, bah il faut... Ah si, mais si, mais si, allons, 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 soyons décentes. Ça va avoir avec leur connerie, vous c'est qui l'autre? Ça va comme la télé, on va encore pas des clients. Ah, non, mais c'est un vrai piège à con, je te le dis. Oh, petit bélé. Non, mais tu vois pas, c'est une manœuvre pour désamorcer la lutte des classes, non? Ah, un miroir aux alouettes, hein? Mais arrête tes conneries, tu veux, hein? Pour une fois qu'on nous offre la possibilité d'être quelqu'un d'autre, hein, et vous, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de brûler nos bagnoles. Vos bagnoles pourries, vos chiottes de merde, hein?
Ah, on va les brûler, ouais. Jusqu'à ce qu'on puisse respirer, enfin. Oh, petit con, là. Oh, bah merde, ma bagnole. Vous voulez une imagination, on plotte. Ouais, qu'est-ce que tu veux de plus? Rien aussi bien de vous, en tout cas. C'est déjà un miracle qu'on n'ait pas assassiné nos parents. Mais dis donc, mais je vais te la casser, ta petite gueule, toi. C'est ça, voilà, c'est ça. Hein, tapez-nous dessus, comme d'habitude. Hein, tapez-nous dessus pour qu'on se tête. Toi, je te la casse, ta gueule, espèce de... Une voiture que j'ai payée à crédit. Je vais lui casser la gueule. Ah, vous le tenez, hein. Je vais chercher de manivelle. Écoutez, je voudrais être quelqu'un qui puisse gouverner le monde avec justice. Si j'ai une double identité, je chercherai un autre décor. Ben, le décor moyenâgeux. Ben, si j'avais une double identité, j'aimerais être préfet de Paris. Je me permettrais d'augmenter les égoutiers. Et vous, monsieur? Moi? Ben, j'aurais bien être rentier. Ça servirait à quoi? Ben, à me la couler douce et puis à plus traîner dans la merde. Voilà, dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, d'accord. C'est parfait. C'est très bien, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Ça y est, vous avez tout rempli. Oui. Voilà, vous mettez dans la boîte aux lettres. Merci. Merci. Bon, bien, on l'a pour deux. Barrière avec votre système. Est-ce que je pourrais être conducteur d'automobile? Mais qui est-ce qui gardera mon passage à niveau? J'ai 35 ans, je suis secrétaire, je suis danois, je m'appelle Dominique, je voudrais tout changer. J'aimerais être éternel. Les galomanes, les gros hétérosexuels, révolutionnaires, anarchistes, les extrovertis, dévrotis, travestis, exhibitionnistes, névrosés, révolutionnaires, mégalomanes, isophasiques, névrotiques, voyeurs. Travestis, les clochards en bas. Des masochistes en bataillon. Voilà. Quelle époque, tes enfants. Non, mais rappelez-vous ce que disait Borel. La concierge veut devenir comtesse, le charcutier se prend pour un chef d'armée, le comptable se sent l'étoffe d'un bourreau, tous veulent changer de peau. Oh, écoutez, écoutez celle-là. Ma chérie. Mes chéris, votre truc, c'est une grosse bêtise. Il y a belle lurette que mes copines et moi, on l'a. Vive les travestis, grosse bise et je signe François, ou Olga au choix. Et celle-là. Je voudrais être une fée, à l'aide de ma baguette magique, je pourrais tout transformer. Je suis ouvreuse dans un cinéma, je gagne peu et les films me font mal à la tête. Comme j'ai de jolies jambes et un nez mignon, je pense que je pourrais être danseuse dans un cabaret. Et nous arrivons maintenant à un total. Je suis manutentionnaire à la campagne. Je remets des casiers à œufs, cela m'a donné d'autres idées. Je remplis des casiers vides et je caresse les casiers pleins. Je ne sais pourquoi, je ne cesse de penser aux femmes. Mademoiselle, cette lettre, je ne sais pas comment la classer. Je suis caissier dans une banque à force de tripoter les billets à longueur de journée. Poète, bien sûr. Mes fesses sont à moi. Ils achètent une voiture, un appartement, une machine à laver. Et les jeunes, n'oubliez pas les jeunes, c'est chez eux qu'il faut créer des besoins. Nous leur proposerons des abonnements à crédit sur leurs revenus ultérieurs. L'IPL est terminée, on peut commencer le traitement. Bon, alors on y va. Quelle importance donne-t-on au désir exprimé? Frustration sexuelle, facteur 2, catégorie 4. Tendance incestueuse, facteur 4. Désir de puissance, facteur 1. Et les sadiques? Les sadiques, facteur 2, catégorie 2. Les masos? Facteur 3, catégorie 6. Est-ce que la double identité sera payante?
Quand vous allez au cinéma, vous payez bien vos places. Non ? En 2,80 le fichier 4, en 4,93 le fichier 3. Vous pourrez sortir en priorité, s'il vous plaît. Jet 80 démarre, les cartes dans le 5 ans. La double identité, ça va être du sport. La contestation, la liberté sexuelle. L'imaginaire récupéré. Tout ça, c'est pour moi. Ça travaille pour moi. Tout ça, c'est à moi. À moi. Quand même pu nous donner des bottes à nous aussi. Regarde plutôt le cul de la patronne, ça te changera les idées. Cul de la patronne, j'y dirais bien deux mots, moi. Ouais, c'est pas dans tes moyens. Ah, si on peut plus rêver. Ah, décidément, Odette, vous êtes la plus forte. Pour une campagne qui fait boum, c'est une campagne qui fait boum. Ma mère elle-même a répondu à votre questionnaire. Ah oui? Qu'a-t-elle répondu? Ben, elle a refusé de me le dire. Elle n'aime pas la police. Pour la mère d'un ministre de l'Intérieur, c'est pas très chrétien. Non, mais de toute façon, la question est idiote. Non, vous, c'est qui d'autre? Vous, c'est qui d'autre? Moi, je vais vous dire. Moi égale moi. Mais quel intérêt avez-vous à remuer ce qui grouille dans le cœur de l'homme? En réveillant les rêves de puissance, de violence, de sexe, nous inventons un nouveau produit. Après, à nous de le vendre. Mais à qui? Où? Comment? Ça, en tout cas, ça se vendra comme des places de cinéma ou un voyage à Tahiti. Cher? Les fantasmes n'ont pas de prix. Si ma mémoire est bonne, vous avez bien construit des abattoirs qui vous sont restés sur les bras. Oui, hein. Oui, ça a été une fâcheuse erreur. Ça pourrait nous servir. C'est-à-dire? On pourrait éventuellement faire un super Luna Park pour les fantasmes. D'accord. À vous le profit économique. À nous, les bénéfices politiques. C'est-à-dire? Ben, vous devez nous donner votre fichier. Nom, prénom, adresse. Profession, fantasme. Le fichier de l'imaginaire. Vous ne rêvez jamais? Au moins, vous savez, les rêves. Vous n'avez jamais imaginé d'être quelqu'un d'autre? Jamais, chère Odette. Moi, vous savez, je suis un homme d'action. Oh. Ah! 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 Oh. Ah! 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 Ils sont vraiment pas comme tout le monde. Demain ne sera plus fait pour vous, mais pour celui que vous désirez être. Qui êtes-vous en réalité? Vous, c'est qui d'autre? C'est le pied. Demain, je serai une autre.
Je vais aller me faire inscrire. Pour vivre l'avenir en rose, soyez un autre, adhérez au club 1 égale 2. Mais c'est pour vendre quoi? La double identité. Oh, la double identité. Moi, j'ai déjà choisi le music hall. Oh, être l'idole des... À droite. Eh oui, juste là. Tout seul. À droite aussi, madame. Moi, je viens chercher les draps quand elle se... Ah oui, mais on est complètement débordé. Moi, je peux vous donner que ça. Hein. Ça fait 1000. Oui, c'est pas. Bah oui, bah... Oui. Ah, à gauche, à gauche. Vous qui avez raté votre vie, vous qui n'osez pas, vous qui rêvez sans cesse d'être quelqu'un d'autre, vous allez enfin pouvoir réaliser vos rêves. Dès à présent, venez vous inscrire à nos agences pour choisir votre identité bis. Qu'est-ce que ça veut dire 1 égale 2? Cela veut dire vivre son identité bis. J'accuse ce détenu d'avoir volé l'identité bis de mon client. Moi, j'adore l'identité bis. Maman, qui t'a donné ça? C'était mon cadeau d'anniversaire, chérie. C'est mon anniversaire demain. J'ai toujours rêvé d'être une dame. Pour 120 francs, le cadeau du vrai bonheur. Renseignez-vous. Pour vivre l'avenir en rose, soyez un autre, adhérez au club. Main égale 2. Et toi, quoi? J'attends, il paraît que c'est formidable à l'intérieur. Ah oui, j'aurai le samedi soir. Merci. C'est 120 francs, monsieur. Pas tout de suite. Ah oui, faut payer compte. Allez, bon. Cette somme est votre réservation pour le personnage que vous aurez à incarner. Et là, vous pourrez vous débrouiller. Voilà. Mais vous êtes déjà un autre. Je peux consommer dès maintenant? J'ai une double identité. Voilà, ça fait 120 francs. Voilà, une double identité. Parmi vous, un éventail de toutes les célébrités. De Nassis à Mireille Tartuffe. Oh, 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 oh,
hallucinant. Des milliers de rêves longtemps refoulés se dévoilent. Maman. Oh, refoulés, refoulés, vous allez nous faucher des clients. Mais votre paradis, qu'est-ce que c'est? Une double identité, en somme. Mais après la mort. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus attendre d'être morts pour être heureux. Et si on meurt sous la deuxième identité? Eh bien, deux funérailles, deux tombeaux, puisqu'il y aura deux familles. C'est une idée de génie. Personne n'avait encore songé à vendre la mort en double. Peut-être celle-ci pour la rayure, puisque la rayure allonge. Ça change un homme, hein? Ah, non, il vaut mieux attacher le premier bouton. Voilà. Voyez, Alexandre, la longueur du pantalon est bien, là. Oui, c'est bien. Et les manchettes, comme ça, qui ressortent, c'est très joli. Quelle classe! Quelle ligne! Quelle élégance! Quelle allure! Ça change un homme. Celui-là, il a choisi une drôle d'identité. Oh, oh. Dis donc, ils lui ont déjà donné son costume. Oh, ça alors. Eh ben voilà, il est beau ce garçon. Allez, pas tout, je vous fous dans le trou. Ah, oh, ça va, te prends pas au sérieux, on sait que t'es pas un vrai. Ah, ah, je suis pas un vrai. Et ça, ça, c'est une vraie. Et si on allait manger quelque chose? T'es folle, la sœur-ci. Ben, faut un petit rien. Des huîtres et du champagne? Non, mais tu rêves. Et puis où ça? Chez Dupont. Pauvre femme. Pauvre femme. Je n'ai ras-le-bol, moi, de cette vie. Faire le ménage, le marché, la cuisine, la lessive, le marché, la cuisine, le ménage. Et puis de te voir rentrer tous les soirs, te foutre devant la télé, lire ton journal et te dire un mot. Et donc, pourquoi t'as choisi ça? Parce que j'ai envie d'être une autre. Parce que t'es un minable. Ah bah merde alors. T'en connais beaucoup, toi qui gagne 2500 balles par mois. Et le renard que je t'ai acheté? Parlons-en! Ce vieux bout de chat! Moi, je suis faite pour l'hermine, le vison, le chichia! Chichia, ah oui! Eh ben, pour une future femme PDG, tu devrais apprendre à parler. On dit chinchilla! J'en ai rien à foutre! Ma première décision, ce sera de te foutre à la porte! Qu'est-ce que je fais là, moi? Taxi? Tu viens, chérie? Je vais te faire le coup de toi, c'est qui? Tu viens, chérie? Je vais te faire le coup de toi. Allez, pour toi ce soir, les prix, j'inaugure. Suis-tu? Ernest, je t'en prie, un peu de dignité, s'il te plaît. Suis-tu? C'est bien, ma chérie, mais c'est un peu trop tôt. Ah, bravo, je te félicite. Hein. Tu vois le résultat de ton éducation. Bah, si elle a envie d'être autre chose. Moi, je veux bien être professeur de philosophie. Professeur de philosophie? Mais moi, je veux être pape. Je peux tout de même pas avoir une fille qui fait la pute, quand même. J'aurais pu faire un autre choix. Je suis une pute. Qu'est-ce que t'as choisi? J'ose pas te le dire. Sois pas timide. Un CRS sur moto. Oh, tais-toi, tu m'excites. Et toi? Marlène Dietrich. Oh. Et vous, madame Marcel, est-ce que vous avez été vous faire inscrire? Il veut pas. Dis donc, on te payait pour le chantage ou quoi? Oh, je disais ça comme ça, hein. Tout le monde sait bien que c'est du bidon. Tu parles. Moi, je demande à voir. Salut, Bill! Hey, Henri, c'est même Marcel. Ça, comme vous voulez. Ah! Alors, Henri, hé! Hein, égal 2. Alors, t'as fait ton choix? Commencez à m'énerver. Oh, même Marcel, vous voulez pas être une autre un petit moment? Oui. Ah, égal 2. Hein? Histoire d'avoir un autre mari. Et vite fait, bien fait. Et attendez, ça, vous allez voir. Allez, hop! Souffle est facile! Et attention, 1 égale 2. Oh, les potes, et si aujourd'hui, j'étais le patron? Oh! Et allez, hop! Je suis le patron! Vous m'avez emmerdé! Ah, oui, quoi, allez! Tire la tournée, quoi, allez! Et 1 égale 2. Et Henri, comme ça. Ta femme, elle est à moi, mais 1 égale 2. La tournée, elle est à qui? Elle est à toi, non? Je suppose que je prenne la place de mon patron. Oui. D'abord, est-ce qu'il voudrait d'abord? Le mien. Eh, lui peut-être, mais sa femme. Alors ça, ça n'est pas une affaire, alors ça. Moi, je serai son mari. Si elle est belle. Non, c'est combien elle pèse? Non. 200 kilos. Oh là là! Alors, voyez votre truc, vous, c'est kilos, t'en fais pas un point, hein? Alors, Sylvie Bélanger, rapprochez, fouillez.
La double identité à votre portée. Qui est intéressé? Monsieur, la double identité à portée de vos bourses. J'ai du maire, Brassens, Franck, Kissinger, Charlot, Charles de Gaulle, à votre portée, 5 francs. Et je continue, le canuet, Mao, Jacques Brel. Mademoiselle, vous êtes intéressée? Ah, moi aussi, 5 francs. Vous vous sentez mieux? Vous vous sentez nettement mieux? On paye après seulement. Pour 5 francs, on peut changer d'identité. Il y a déjà un client ici sur ma gauche. Y aura-t-il un client sur la droite? La double identité pour 5 francs. Vous prenez le plus important, vous avez raison. Rendez-vous compte de l'offre qui vous est offerte cet après-midi exceptionnellement. La double identité. L'antifrisson, il n'en reste plus pour tout le monde. L'amour, vous ne pouvez pas dire le contraire. Tarzan, viens. Encore, c'est bon, c'est bon. Adette, je t'ai dans la peau, tu es l'obsession du nez. Couchons. Devant tout le monde. Le monde? Je m'en fous. Il est foutu, l'eau va manquer, les bêtes vont crever, on va tous crever. Et personne n'y changera rien. Dites donc, mon ami, si vous voulez vendre votre personnage, il faut me faire gonfler tout ça. Je le sais, c'est mon métier. C'est pour ça que je suis le plus fort. Mais chut, il faut pas le dire. Odette, tu es une salope. Je vais divorcer. Le futur est proche et il dure longtemps. Silence, chers concitoyens, chers électeurs, tristes imbéciles qui m'avaient imbéciles. Je vous ai promis la lune, garantie l'enfer. Dorénavant, théâtre, cinéma, musique, danse. Toute activité improductive est interdite. Dorénavant, vous travaillerez 13 heures par jour sans augmentation de salaire. Dorénavant, les hommes et les femmes vivront séparément et n'auront le droit de se retrouver qu'une fois par semaine. Et encore, dorénavant, tout individu sans distinction d'âge ou de sexe devra faire une période militaire de 3 mois. Vive votre chef! Vive! Je voudrais deux doubles martini, s'il vous plaît, mon enfant. Rouge ou blanc? Pardon? Rouge ou blanc? Rouge, s'il vous plaît. C'est plus léger pour... Hein? Odette, chérie.
Oh, bah, y a des petites choses à grignoter aussi. Tu en veux? T'es ma petite femme aujourd'hui. Ben voilà, notre présidence Hermeuse. Président. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Ma chérie, mais vous allez... Mais ma chérie, qu'est-ce que tu... Oh, regardez ce que vous avez fait. Enfin... Oh, ma chérie, Odette, vous êtes complètement cinglée. Alors, c'est bien ce que je pensais. Odette, t'as mal, hein, ma chérie. Odette. Oh, Odette. Il y a de quoi rire. Odette, ma chérie. Odette. Oh, ma chérie. Tu prends... Non, c'est pas... Odette. Chagrin d'amour dure toute la vie. Tu sais, cher président, je suis enceinte. Ah oui? Qui est le père? Je ne sais pas encore. Mais j'ai le choix. Borel? Borel... Ernest? Ernest. Ah! Il faut que je demande à sa mère. Ah bon? Parce que ce n'est pas toi la mère. Ah mais si! C'est moi qui fais l'amour. Alors c'est peut-être moi le père. Peut-être. Mais si tu n'étais pas toi... Alors moi je n'étais pas moi. Alors, qui étais-tu? Toi, c'est qui d'autre? Borel. Et toi? La femme du président Sermeuse. Alors, tu m'as trompé. Mm-hmm. Comme d'habitude. Je crois que je vais accoucher. Tu souffres beaucoup? Oui. Très bien. Continue. Avant, j'étais un tout seul, maintenant je suis deux à la fois. Hein? Peut-être que je suis riche et je suis pauvre. C'est marrant, ça. Je suis intelligent et je suis con à la fois. Ok. Ouais, deux humanités. Deux humanités. Deux humanités, oui. Deux aurores. Deux aurores. Oui. Et un combat. Un seul combat? Pas deux, non? Un seul combat. Voilà. Mais tu trinques avec de l'air? Ouais. Faut que t'inscrire au club. T'es pas inscrit? Il faut t'inscrire au club, mon vieux. Moi, je m'y suis inscrit. On m'a dit, t'as une double identité. Je suis deux maintenant, moi. Alors toi, t'es tout seul dans la vie. Moi, je suis deux. Je m'ennuie jamais maintenant, moi. Tu travailles deux fois maintenant? Non, je travaille pas deux fois. Je suis deux fois au chômage. Avant, j'étais tout seul. Ben, j'étais timide et maintenant, je suis deux. Alors, je suis timide et je suis pas timide. Je vais vous raconter, ça. Ça coûte d'être deux. Ça va me revenir cher. Puis le tabac. Ça file le cancer, le tabac. Moi, je fume plus. L'autre, il fume. Ouais. Aïe, bon, j'ai bien le droit d'être PDG, non? Aïe, salopard! Oh, ben, après tout, j'en ai marre. Dans le fond, c'est pas ma vocation. Oh! Alors, on part? Alors, est-ce qu'on part?
Alors, monsieur, on part? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en grève ou quoi? Où est-ce que vous allez? À la porte d'Anière, à mon boulot comme d'habitude. À la porte d'Anière, bah pas moi, à ras-le-bol la porte d'Anière. Moi je pars à la pêche. Alors si vous voulez y aller à ma place. Alors les gars, ça va? Alors les gars, pas d'imagination? Merde, j'en ai jusque là, moi. Excusez-moi de vous déranger, hein. J'ai besoin d'un renseignement. Je vous en prie. C'est bien un trou que vous étiez en train de creuser, là? Ça se voit, oui. J'ai l'impression que c'est un trou, oui. Ouais. Et c'est profond? Ça fait combien de mètres? Environ 23 mètres. Et vous comptez continuer longtemps? Ouais, un petit peu quand même, ouais. Mais vous n'avez pas le droit. Oh. Mais vous n'avez pas le droit, monsieur. C'est écrit en toutes lettres, là. À partir de 5 toises, un quart, le sous-sol appartient à l'État. Donc je suis obligé de dresser constat. Mais moi, monsieur, je suis payé pour faire un travail. Oui, mais moi, monsieur, moi, j'en dis ce qu'on vient pas, mais moi, monsieur, je suis huissier. Je suis maître Micha, huissier, depuis 4 jours. Alors je vous demande d'arrêter immédiatement le chantier. Tu sais tout? Bon, ben, c'est pas difficile, hein? Bon, d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Un trou. Un trou? Mais oui. Vous n'avez pas le droit, faut reboucher tout ça. Faut arrêter de travailler. Ah, oui, allez, moi, je vous donne l'ordre d'arrêter de travailler. C'est fini, faut reboucher tous les trous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, monsieur? Les gaz. Un trou? Mais il y en a déjà partout. Partout, oui. Mais c'est fini, les trous, hein, c'est interdit. Oui. Allez, là, réfléchissez un petit peu, là, hein, à quoi ça sert, tout ça. D'ailleurs, c'est marqué là-dedans, hein, c'est interdit. Plus de trous! Qu'est-ce que vous faites, là? Un immeuble? Bah, faut arrêter tout de suite. Ah, pourquoi? Parce que c'est interdit. Ah, mais moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est la loi, je vous ordonne d'arrêter tout de suite, c'est tout. Ah, c'est je suis huissier, moi. Pour enlever tout ça, puis arrêter tout de suite. Ha ha ha!
Non, vraiment. C'est pas trop vite. Facteur imprévisible toujours présent. Force négative 33%. Facteur imprévisible toujours présent contre force négative 33%. La cote d'alerte est dépassée. La cote d'alerte est dépassée. Monsieur Borel en salle machine, s'il vous plaît. Monsieur Borel. Monsieur Borel en salle machine, s'il vous plaît. D'urgence. Les derniers résultats viennent de sortir. Alors, nous avons atteint la cote d'alerte. Lundi, c'est passé 12 à 30. Mais la cote d'alerte, je m'en fous, l'a déjà tellement dépassé. On prévient le président Sermeuse. Sermeuse? Comment Sermeuse? Pourquoi Sermeuse? Mais c'est le patron. Bon, on repart à zéro, il y a une erreur quelque part. Il est impossible que je me sois trompé. Les hommes ne sont pas si cons. Tous des cons. Je suis une star. Je suis Marilyn, la star, celle qui a été désirée en pensée, en rêve, et qui s'est suicidée toute seule parce qu'elle n'a jamais été reconnue ni aimé en tant qu'être. Tous les hommes aiment les stars. C'est le comble du fétichisme. Votre boulimie d'argent dissimule un complexe anal non assumé. Vous n'aimez pas les femmes, président Sermeuse. Vous êtes un homosexuel qui s'ignore? À propos, vous avez le ministre de l'Intérieur sur la première. Allô, allô, oui? Allô, allô, Sermeuse? Ah, Sermeuse, votre campagne fait des dégâts. Non, 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 le nudisme à la banque. Non, mais écoutez, aucune information de cet ordre ne m'est parvenue. Mais chaque jour, ce sont de nouveaux incidents. Non, que le traitement de l'imaginaire soit délicat, je le comprends très bien, mais comprenez aussi mon rôle. Mais non, mais le moral de la population est troublé. Non, cher ami. Non, mais il n'est pas question, ce n'est qu'un accès de fièvre. Le gouvernement est extrêmement inquiet. Bah, il suffit à un excité de se faire passer pour un huissier pour nous empêcher de creuser des trous. Les promoteurs sont fous de rage. Ah, ben... Bah, imaginez que nous en fassions tous autant. Mais non, voyons, mais non, ne vous inquiétez pas, alors... Ah, naturellement. Vous, maintenant, vous vous en lavez les mains. Ah. Non, le président parle de donner sa démission, nous sautons tous avec. Mais non, mais ne vous inquiétez pas, mon cher... Allô? 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 Je suis encore une autre. Mon père, aidez-moi. J'ai perdu mon identité. Depuis combien de temps? Oh, 2 ou 3 jours, je crois. Vous n'êtes malheureusement pas le premier. Il n'y a qu'une semaine que je suis prêtre. Et déjà, que s'est-il passé? Ben, c'est pas facile. Enfin, j'ai changé d'identité avec un homme pour avoir une autre femme. Mais quand j'ai voulu voir ma nouvelle femme, je me suis aperçu que l'identité que j'avais échangée était fausse. Oui, je suis au courant de ce trafic. Et quand j'ai voulu la récupérer, il avait changé mon identité avec une troisième. Donc, il ne me connaissait plus. En somme, vous n'avez plus d'identité. Connaissez-vous cette parole? Celui qui se perd soi-même sauve sa vie. Qui a dit ça? Dieu. Il est mort? On pourrait dire, à la rigueur, qu'un certain Dieu est mort. Eh bien, voilà, j'ai trouvé.
Je peux être lui. Mais non. Ah non? Non, c'est une illusion. Vous prenez de nouveau une fausse identité. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Saloperie de commerce! Vous avez bien vu avec toutes vos conneries! Les autos, les gadgets! Salauds! Ils nous ont bousillé nos rêves! Même ça, ils nous les ont bousillés! Vos gadgets à la con! Ah, il a peur fallu qu'il nous aide! Vous avez bousillé nos rêves! Même ça, vous nous les avez bousillés! Chasse aux seins nus en Italie, les baigneuses peu vêtues sont passibles d'un mois de prison et d'une amende de 150 à 3000 francs. Bilan de l'opération sécurité-protection menée hier soir par M. Michel Poniatowski dans les couloirs du métro. 7768 personnes ont fait l'objet de contrôles d'identité et 268 ont subi un examen de situation approfondi. Le ministre de l'Intérieur entend par ce genre d'opération improvisée lutter contre l'insécurité qui règne le soir dans le métro. Une insécurité grandissante, en 73, 170 femmes ont été agressées alors que dans les 6 premiers mois de 1974, on a déjà dénombré... Ici... Radio, moi. Ici, radio, moi. Le jour de gloire est arrivé. Liberté, liberté jolie, nous voici. On repart à zéro, et c'est pas triste. À partir d'aujourd'hui, minuit, la double identité est à la portée de tous. Faites comme moi, attrapez-la. Ne travaillez plus, ne dormez plus. Aimez-vous les uns sur les autres. Descendez dans les rues. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Faites tout ce qui vous passe par la tête. Vivez enfin votre vraie double identité. Faites la fête. Musique. Ouais. Bordeaux, 3e arrondissement, quartier périphérique Est. 5 jeunes filles nues font du patin à roulettes. On laisse faire. Orléans, les malades mentaux transforment l'hôpital psychiatrique en music-hall. Incident limité, on laisse faire. Provins, toute la population d'un quartier transforme une usine en salle des fêtes. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Eh bien non, on ne laisse pas faire. Ceci est un kidnapping. Comme c'est excitant. Allô? Le président, c'est Hermès? Oh! De la part de qui? Eh hey, bien, copain, hein. La technique, hein. Faudrait pas me prendre pour une poire, hein. Le petit bouton rouge, là, où m'allumez ça. Ok? Ernest exige de passer son emploi. Attendez. Ah, mais je crois que les voilà. Ernest exige de passer son emploi. Sinon? Il veut sauter la patronne. Au nom de tout le personnel unanime, j'exige premièrement 4 jours de congé par semaine. Deuxièmement, que les patrons et les cadres nous remplacent un jour sur deux dans nos emplois. Troisièmement, que nous prenons la place des patrons le jour où ils prendront la nôtre. Quatrièmement, j'exige que nous échangions nos femmes un samedi sur deux. Et enfin, j'exige que la double identité soit gratuite pour tout le personnel de la société. C'est compris ?
terminé. Non, trop, c'est trop, ça peut pas durer comme ça. Hier, c'était Marc Duval, aujourd'hui, c'est Odette, demain, ce sera qui? Qui, hein? Vous aviez dit qu'on se casserait la gueule, faut le renvoyer. Prends le nom de la police. Non, surtout pas. Coucou. Comment vous m'avez trouvé? J'ai bien joué mon rôle? Vous êtes viré. Comment viré? Moi ou l'autre? Que vous pouvez pas virer les deux en même temps? En tout cas, vous passez à la caisse. Et l'autre, je ne veux plus le voir. Vous m'entendez? Je ne veux plus le voir. Ok, boss. Comment tu fais? J'ai payé de ma personne. Enfin, pas moi. Mon double. L'équation de la destruction. Les mains vides. Je ne joue plus. Ce n'est vraiment pas le moment. Ce soir, c'est mon temps à moi qui compte. Mon temps à moi. Hein? Toi? Mais tu ne comptes pas, j'ai fait de toi un autre. Tes rêves, je te les ai inventés. T'es un pauvre type parmi des millions à qui j'ai offert le bonheur. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous êtes un minable. Ben, vous êtes un salaud! Votre bonheur, c'est de la merde! C'est des rêves en conserve, en poudre, comme vos saloperies de lessive! Vous êtes un con, vous n'avez rien compris, vous pouviez changer de vie. Mais vous ne pensez qu'à casser la gueule du patron, à baiser la femme du voisin. Mon petit rêve secret, c'était de la merde. C'est toi qui as rien compris. J'en ai marre, moi. Servir de peinture à tous les ordinateurs pourris. J'en ai marre d'être mis en carte, puis fiché, puis perforé, puis classé, puis digéré. Mes rêves, tu voulais en faire des conserves et puis me les faire payer, hein? Bien sûr. Un jour, tu paieras l'air que tu respires. Viens, Ernest. Viens, viens, tu vas voir. Viens. Regarde, Ernest, regarde! Là-dedans, la fin du monde. La famine, la surpopulation, la guerre atomique. C'est écrit là-dedans. On va tous crever, Ernest. Tous crever. Oui. Je vous offrirai vos derniers beaux jours. Venez, venez.
Donc je vous disais que ça fait maintenant 8 heures que le gouvernement siège sans désemparer pour faire face à la situation actuelle. Nous attendons un communiqué du porte-parole d'un moment à l'autre. Le gouvernement va-t-il prendre des mesures de répression contre la double identité sauvage? Va-t-on également prendre des mesures contre ceux qui ont quitté leurs responsabilités et leur travail? À toutes ces questions, une réponse dans quelques instants. À vous le studio. Venez, Ernest. J'ai commis une erreur à votre sujet. Vous êtes l'homme de la situation. Alors pourquoi tu as fait pas ? Tenez, oui. Ici, le plaisir, il est permanent. Il n'y a plus d'après, il n'y a plus d'avant. Allons, messieurs, s'il vous plaît. Allons. Si ces messieurs veulent bien, une photo pour la presse. C'est une folie, une folie. Nous sommes condamnés à la folie pour pouvoir contrôler la folie des autres. Pas lui, pas lui. Au point où nous en sommes. C'est lui ou la révolution, alors. Ou lui et la révolution. Merci, messieurs. Monsieur le ministre, qu'avez-vous décidé? Pouvez-vous rétablir la situation? Que va devenir la double identité? Et le travail, quand va-t-il reprendre? Messieurs, j'ai la joie de vous annoncer que nous avons la situation bien en main. Nous contrôlons tout. Les rêves, les désirs, les refoulements. Tout est maintenant trié, répertorié, enregistré électroniquement. Je suis le Français le plus rassurant. J'ai été choisi par un ordinateur. Avec moi, vous ne risquez rien. Dans le présent comme dans l'avenir, je suis devant vous l'homme de la double identité. Moi, Ernest, le représentant du peuple, je déclare la double identité obligatoire pour tous dans les 3 mois qui viennent. La population tout entière devra faire connaître sa deuxième identité à la police. Elle devra également justifier de revenus. La double identité sera obligatoire dès l'âge de 16 ans et sera contrôlée par la sécurité sociale. Tous ceux qui refuseront une double identité seront dans un premier temps déchus de tous leurs droits civiques et immédiatement après fusillés. Mais pour qui te prends-tu? Ernest. C'est un kidnapping. Comme c'est excitant.